savoir très nombreux en train de regarder la télévision à l'instant, c'est le programme de votre émission Atmosphère. Atmosphère, comme vous le connaissez, c'est chaque lundi, mercredi et samedi de la semaine. Nous sommes en direct à Kinshasa. Je dis bien chaque lundi, mercredi et samedi de la semaine sur Show Télévision. Cette émission passe déjà comme ça. Je dis merci à l'équipe technique, Capella, merci à toi, à la prise de vue, merci à Papi Kelly Boisbois. Hein, Papi Kelly Boisbois, au four et au moulin pour la réussite de cette émission de côté régie. Merci à l'ingénieur Léon Matt, le réalisateur de cette émission, L majuscule. Général du ciel, c'est comme ça qu'on m'appelle. On est là, mesdames et messieurs, pour apporter vos numéros à domicile. Ça, c'est une émission qui a créé des grands témoignages. Une émission, au travers de cette émission, Dieu fait des grandes choses dans des vies des différentes personnes qui nous regardent. On nous regarde chaque mardi à partir de 16h. Surtout comme Iwapi Télévision chez l'honorable Eliezer Tabou. Je dis bien, chaque mardi à partir de 16h, vous pouvez nous suivre sur comme Iwapi Télévision. Et en rediffusion, chaque vendredi à partir de minuit, vous pouvez nous suivre sur comme Iwapi Télévision sans aucun problème. Cette émission passe aussi à Lubumbashi sur Golgotha Télévision. C'est chaque mercredi et samedi à partir de 18h. Je dis bien, chaque mercredi et samedi. À partir de 18h, vous pouvez aussi nous suivre sur Golgotha Télévision. Là, c'est à Lubumbashi. À Mbujimayi, on nous regarde aussi chaque mercredi à partir de 21h sur la radio-télévision de Bukassai. Chaque mercredi à partir de 21h, on nous regarde sur la radio-télévision de Bukassai. Voilà. Là, c'est déjà les programmes de quelques chaînes partenaires qui se sont dit de nous accompagner, faire route ensemble avec nous. Question de vous faire voir ce que Dieu fait avec son serviteur, comme je l'ai toujours dit. Dans cette émission, nous vous faisons voir ce que Dieu fait avec son serviteur, je cite, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa. On nous regarde aussi partout dans le monde grâce à notre chaîne YouTube, hein, Kabundi Walesa. Vous pouvez nous regarder dans n'importe quel pays où vous vous retrouvez. Déjà, nous recevons des appels de messages, matin, midi, soir, qui viennent de partout dans le monde. Tanzanie, Zimbabwe, Nairobi, France, Belgique, Allemagne, partout les gens nous appellent. Cette émission est facilitée par te belé. Oh, bah, ça a un problème avec inquiétude. Non, on ne sait pas voir le pasteur Walesa. C'est très difficile. Nous avons un problème, mais c'est très difficile de voir le pasteur Walesa. Cette émission a facilité beaucoup de gens. Bah, te belé les lots. Bah, au côté en contact, nous sommes en train de te belé les lots. Émission Oyo. Collé que la nangonza, bah, ça les bah, miracle à minéne. Là, il faut les souligner. Il y a de grands miracles. Oh, il y a des gens qui vie à Batou. Collègue la émission. Oh, voilà, le numéro est déjà affiché. Hein? Le numéro est là. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez entrer en contact avec nous au travers de ces numéros. Hein? Vous pouvez entrer en contact avec nous. Vous pouvez nous appeler. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations. Le numéro est déjà affiché. Vous allez nous appeler. Mesdames et messieurs, comme je venais de le dire, dans cette émission, on vous fait voir ce que Dieu fait avec son serviteur. Au travers de la télévision, quand on a la télévision, nous avons un miracle, nous la vie à battre. Je vais vous proposer un élément d'une serre. Oh, il y a un problème, il y a l'issue, cancer, il y a l'issue. L'issue, il y a un talent, il y a un monde sous lumière. Moyen à ça, le mouvement, il y a l'issue. Pourquoi? Parce que l'œil ne fonctionne pas. Or, dans 5 organes totaux dans la classe, vous connaissez l'importance de la vue. Quand l'œil ne fonctionne pas, quand l'œil ne sait pas voir, c'est compliqué. Rien ne va marcher. Cette maman a connu ses problèmes. À ça, le problème, il y a l'issue. À ça, il y a l'église, M. Sous. Mais à quelle est l'habitude de la télévision? À la napasté, on laisse à chaque fois la télévision. À ça, il y a l'église, M. Sous. Dieu a opéré un grand miracle dans sa vie. Na Hollande télévision, elle s'est dit un jour où pasteur Olay Samaramza Mazou Salanaï, au dégré de témoignage de Zotala, au Makam Tozo Mono, et Zama Makam Toyo Kanasam. Mais nous le voyons aujourd'hui, Nzam Mazou Salana, pasteur Olay Sam. Mesdames et messieurs, cette femme quitte sa chambre à coucher, elle passe nue dans son salon, elle regarde la télé. 4h du matin, à Zotala la télévision, un culte d'un dimanche qui passe à la télévision. Il y a un grand problème. Place Magamboiso les amis.
Le pasteur Wala, ça n'était pas en direct. C'était un culte qui était déjà passé. Mais maman a vendu la télévision. Azola, la télévision est battue. Un problème à l'issue, c'est une couturière. A coquille de sous coton, a mis la maté. Moi, y a vendu la sous une machine à coudre. Ils étaient lisse, baby. La maman s'inquiétait. Mais t'as la vendu à la télévision. À 4h du matin. Vers 5h, à 4h, t'as la télévision. Dieu opère un grand miracle dans la vie de cette maman. Elle a vu une puissance. Elle a senti. Voilà, elle a senti une force, une puissance. Et puis, la télévision a eu. Et il y a côté la zoute. Madame, il y a côté la liste. Or, c'était à quel moment quand l'évangéliste Claude Kamoudjane, ça faisait des déclarations. Dans le moment, pasteur Wallet, ça a une déclaration à Minene. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu quel que soit le problème que tu as, nous avons un peu de comme solution à problème. Ceux qui sont bien là, nous avons un peu de temps, comme ça, malade, n'a pas de temps. Au pika, que Dieu puisse te guérir. La maman, elle acceptait toujours. Amen. Amen. À la télévision. Elle pouvait aussi suivre peut-être Novelas Netio. Elle pouvait suivre une autre chaîne. Mais elle s'est dit, je suis la chaîne du pasteur Walesa. À 4h du matin, elle ouvre Rolanda. Quand la lumière, elle a frappé, l'issue passe. Il fallait qu'il y ait l'hôpital. Hôpital bon, ils étaient pour Azo Salaté, Mbane Pé, Azo Salaté. Tout est compliqué. La maman a commencé à prier à la télévision. La puissance de Dieu qui est dans Kabundi Walesa. Et bien, la télévision est continue à d'autres maman. Lui, ce bongi. Malade, il y a ce long. L'un qui ne voyait pas, l'un a commencé à voir. La vue de la maman était déjà compliquée. La vue a été normale. La puissance de Dieu est bimé la télévision et Koti. Qu'est-ce qui s'était passé? Dans le bar à chaque fois, ils avaient te mêler le nom de l'Andabiso. Dans l'autre pasteur Walesa, on a l'air de l'autre. Dans l'autre, on a l'air de l'autre pasteur Walesa. Je l'ai toujours dit, Dieu prend la forme de son serviteur. Pourquoi? Parce que l'évangéliste Claude Kamoudjane a traité une alliance avec Dieu. C'est au travers de cette alliance-là que Dieu s'est fait solution à ma problème batoisan en nous. Nous avons besoin de l'attention de nous salinaïe. Pour nous repérer sa solution à un problème, il y a un et dans la bataille, on s'inquiète. Il y a un problème. Il y a un sika. Mais dans la bataille, il y a partout dans le monde. Oh, on a l'air de notre pasteur, on laisse ça. On a l'air de notre docteur. Il y a un docteur, il y a un docteur, il y a un docteur, il y a cancer de sang, cancer de sein, cancer, il y a un docteur. Il y a un malade incurable. Il y a un docteur qui a l'alliance à traiter avec Kabundi, on laisse ça. C'est-à-dire son serviteur Claude Kabungale s'est traité une alliance avec lui. Collègue l'alliance wana nzambe azo mimoni sa na vie abato. Voilà ce qui s'est passé dans la vie de cette maman. Voilà ce qui s'est passé dans la vie de cette maman. Dieu a pris la forme de son serviteur Claude Kabungale ça. Pour qu'on puisse sa solution na problème maman zanamo. Maman va dire qu'elle est là. Eh mon bal na bibi na chambre mbang. Aïe chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, le binôme, n'a pas ni puissance, n'a pas de bimé la télévision, qu'on est cotinga na 4 ans autour de ma. N'a pas de mieux qu'à bien te. Maman, tu as changé chaîne, viens ton salaire. Maman, tu as changé chaîne, tu as changé chaîne à pasteur, on laisse à l'obité. Yo, tu as chaîne, oh. Maman, tu as la chaîne, oh. Mesdames et messieurs, la maman a vu la mère déjà, elle a dit à son mari, chérie, n'a pas de passe dans la maman à lui ce long. Dans la parcelle, un frère qui prie au centre d'un réveil spirituel, Azali, Mobala Kembang qui est au Kéye, 5h du matin. La mouka, yarota lao. Magabri pasteur n'a bien salé, moi c'est dans la télévision, le bien, qui est une puissance, moi qui contient dans Zoto. Qu'est-ce qui se passe? Voisin a eu téléphone, avant de vous filmer. Voisin, maman, tu es bien, Mobala, tu es bien, même le voisin. T'as la réglise de la bataille de l'élève. Mais maman, ma tante pomme de bébé, ça, il n'y a pas parce qu'on allait ça. A lui, téléphone, n'y a pas de filmer, on n'en parle. Dieu a fait des grandes choses. Dieu a pris l'image de son serviteur. Collègue à la télévision. Les attentes, parce qu'on allait ça, on allait à la télévision, on allait à guérir maman.
Et ça, Nzambe, oh, la Katia, pasteur, on laisse ça. Dans ma déclaration, pasteur, on laisse ça, sali. Na kondi ma maman, zala kinango, miracle s'opéré. On regarde d'abord le jour où cet événement s'est produit. On se retrouve après. Le jour où cet événement s'est produit, le voisin a hier filmé bango, tout à l'heure, dans l'image, on a Katia Nag na bango, n'est-ce pas, on est là. Pendant quelques minutes, on se retrouve après. Comment d'accord? Voilà, c'est la malicône, non pas de le filmer. Non, mais la papa dit. Bon, de mieux. Non, ça t'y dit, souhait. Non, il y a qui souhait l'eau, ou t'es dans la lingue, ou est-ce que l'ingue est couée, il n'y a pas de bimangaï. Pas de le filmer. Non, mais la papa dit. C'est bon, on devient beau. Non, ça t'y dit, souhait. Non, il y a qui souhait l'eau, ou t'es dans la lingue, ou est-ce que l'ingue est couée, il n'y a pas de bimangaï. Là, c'est la maman qui pleure. Elle explique la douleur, la souffrance. Pas si haut, il y a la guinée. Nanam, naïe, n'a tongo. Likamoboye, comme elle y est. Dieu a opéré ses grands miracles dans sa vie. La maman explique la douleur d'abord. Bandeko, je passe dans le colo, je passe dans le boko. Mais pas à l'issue. L'issue, c'est quoi? Bazo, mais mon hôpital, il faut que le médecin Joseph, il faut que tu aies l'issue, il faut que tu aies le cancer. Cancer dans l'issue. L'issue, c'est aussi. Là, qui s'est l'issue sous tes os, tu as un problème. La douleur, maman, je l'ai là, je vais expliquer pas si wana. Voilà que, n'a pas si wana, za koyoka, n'a pas si wana, za talaï. Nzambe sko latiforme ya Claude Kabundiolesa son serviteur. Nzambe latiforme ya Kwalesa. Nzambe lati liloba. Oye Walesa bimisi na télévision. Walesa lobi a sali déclaration. Ata ozo bela. Nzambe na ngabi kisayu. Maman na ndak na 4h du matin en demi à même. Nzambe opéré miracle. Elle était venue à l'église. Elle et son mari et ses voisins. Naba voisin le keliba. Ba yé ko témoigner grandeur ya Nzambe. C'est-à-dire, maman, il y a dans ma voisin, il y a qui témoigne, ma grand dame, ma salle. Ma lobby, oui. Ton landa, parce que tu laisses la télévision et tu vas te dire. Parce que tu laisses ton cacaillé, mais il y a un bon été. Il y a un bon comme il dit, c'est un grand miracle. Parce que nous connaissons la douleur qu'avait cette maman. Pas si maman, oh, Azala, qui n'a pas dit, tu es bien. Et on s'est posé la question, comment est-ce que il y a un bon aussi là? Mes collègues à la télévision, bah, si monsieur Maïté, oh si maman est à la télévision, t'es. Pasteur, on laisse nettoyer bien, t'es. C'était un culte, vous avez vu d'ailleurs, c'était le culte du dimanche 23. Dimanche, culte dimanche, la télévision. Un culte, maman Zota a la paix la télévision. Et, chose grave, le jour où la maman a regardé ce culte-là, ce n'était pas le jour où le pasteur Olesa était en direct.
C'est-à-dire que tu es seulement dans le dimanche, maman est au tard là, au courant de la semaine, et puis à 4h du matin, quand tu as opéré les miracles, des fois parce qu'on laisse à la guipongi. Tant que tu as opéré miracle, tu as amené la vie à maman Oyo. C'est-à-dire parce qu'on laisse à la guipongi, aïe, il y a des gens de Salemi. Nzambe azuka fort. Problème est que, à chaque époque, à chaque saison, à chaque génération, Dieu s'est choisi une telle personne. Nzambe ponara mtumoro. Mutando tambo la vie à sanctification. Mutando tambo la obama dame. Mutando la vie à tout ça l'effort nyonso. Même son entourage. Batou bazape menaye, batambo la obama dame. T'as la héros. Air dans le miracle. Là, c'est-à-dire, on est dans le tu dans kabundu bundu. Kabundu bundu. C'est-à-dire, à 4h du matin, maman a dit à la télévision, les kabou salemi, voisin, maman a dit le téléphone à filmer. La maman explique la douleur. Ce qu'elle sentait. Du coup, elle a dit qu'il y a une puissance qui a été mise à la télévision. Dieu a pris la forme de son serviteur. Pour guérir maman Oyo. Peut-être tu as aussi un problème de plus que ça. Il suffit seulement de faire confiance en Dieu. Donner ta foi en Jésus-Christ. Mais faire confiance aussi dans Moussa Lonja Matelemi Seleviso. Nzamba Telemi Seleviso ange naïe. Ça n'est confiance. Quand il sort la parole, il dit amen. Il suffit seulement de dire amen. Amen. Et c'est que si les États-Unis a confié déjà. Amen. L'île de la hier, le dit, mais tu as un point à Koufa. Tu as une télévision. Et qui passe, on laisse sa seule déclaration. Il y a le dit, amen. Amen, on est sécurisé. Amen. C'est-à-dire, cet homme à Dieu, quand il sort une parole, moi je dis amen. Cette parole-là va prendre la forme de la solution. C'est ce qui s'est arrivé dans la vie de cette maman. Elle était venue témoigner à l'église. Elle ne prie pas au centre de réveil spirituel. Naïe. Na mobali na yeba samela kunate me bayaki na ba voisin et lequel a qui parle pendant quelques minutes suivant ces témoignages. Mais la maman explique, son mari parle, ses voisins nous parlent aussi avec joie. Les voisins expliquent ce que Dieu a fait dans la vie de leur voisine. Suivons ça, on se retrouve après. Nous les avons invités d'être ici. Et ils peuvent passer devant pour terminer notre prière. Naba voisin na bango. Frère Oyo filma ki bango. Bango nyoso bazawa. Avec leurs voisins et le frère qui avait filmé, ils peuvent passer ici devant. Merci. Wana mobali na yo. Là c'est son mari. Ye muto alinga kaka na télévision, alobi to kanga télévision yo. C'est lui qui cherche à éteindre la télévision. Bilo kona ye beti mwasi na nga. On peut éteindre la télévision. Pesa mama micro. Maman Lobinini. Amen. Amen. Tu as mis quoi bien? Donc il n'a pas été. Pasteur Wale Sazan en Zamba solo. Pasteur Wale ça a un véritable Dieu. Banda na banda ko prier une église de réveil. Pendant que j'ai prié, depuis que j'ai commencé à prier dans des églises de réveil. Première fois on a senti puissance Yohana. C'est la première fois que je sente cette puissance là. Donc il a souffert ma casse n'a pas sa mise au. J'ai souffert avec les douleurs de cet œil. Soit que bando soit nga mutezo beta moete nazo kokate. Lorsque ça commence à faire mal, la tête avait mal et je ne parvenais pas. Donc il ampoule bon moena ta les zate na tonga ka moena tonga pe zate. J'avais du mal à regarder la lumière comme ça même l'ampoule, je cours, je parvenais même pas à côté encore. Donc il n'a l'anda passé ou allait sa makasi maintenant on a mona été na nous pe na nyata place ôté. Je ne suis jamais arrivé ici, je n'ai jamais vu le pasteur Wallace ça mais je le suis souvent à la télévision. Soit qui toza na prière et pas na biso et mususu toza na ba séminaire na tiaka na ra chaîne na pasteur Wallace na l'anda ba témoignage na maté na. Même si nous avons séminaire ou des prières chez nous, j'aime souvent la chaîne de papa Wallace pour suivre les témoignages.
Donc dimanche passé, nalingana ki prière, moi na ki prière, ezate douleur et les cas qui muto ezo beta miso elinge koya na okokate. Le dimanche passé, même si j'avais envie d'aller à la prière, j'avais mal, je ne parvenais pas parce que j'avais de fortes douleurs à l'œil. Na ebisi mobali nanga ki na ki osesa ba examen, douleur et les qui makasi, ebisi nga rokendete. J'ai demandé à mon mari qu'on m'amène à l'hôpital me faire examiner et il m'a dit non malgré les douleurs. Le roi Boyaki, Nathalie, qui a mon Boyaki pour bon résultat, qui était passé à qui ce qui prend en consultation. $20. Pour la Saint-Joseph, consultation $20. À Saint-Joseph, il faut payer $20 la consultation, il n'y avait pas d'argent. Si quand tu as la qui ban à classe, il rentrait en Ouezongi, n'a aucun de Kuna, $20 au PC consultation. Au Komanabaki, sinon, balinette, au Komanakonde. Nous avons regardé bientôt la rentrée scolaire, nous avons des enfants ici. Et si vous dépensez $20 juste pour la consultation et les médicaments, comment vous allez arriver avec les lunettes? Donc, il m'a laissé la kingaï. Nous étions arrivés au bout de notre pensée. Na bandai ko le la kara boutou mubimba na la lite tito ko malendi donc il n'a aucun kakola la te. Toute la nuit, je ne dormais pas, je ne fermais pas l'œil, je ne faisais que pleurer. Na tche kachien na pasteur Walesa na Hollanda. Je suivais la chaîne de Papa Walesa. Tokomi 4 no baraba 5 heures. C'était vers 5 heures du matin. Pasteur Walesa, na moni fi moro bo bando pe sa témoignage ya likasa moro bo ya kisi ya Brazzaville. J'ai vu la dame là de Brazzaville qui témoignait ici pour la feuille, le papier là de Braza. Elle a assisté témoignage naé. Quand elle a fini son témoignage, assisté à l'objet au mindele mi balé na mutu mwindu moko. Elle a dit qu'il y avait deux blancs et un noir. Donc il mutu mwindu ana ezalaki pasteur Walesa. Et le noir c'était le pasteur Walesa. Si quoi yo elle a assisté témoignage naé nyonso. Donc elle a tant qu'elle a fini son témoignage. Donc, pasteur Walesa lobi mundele ali boswana eza Abraham. Pasteur Walesa dit le premier blanc c'était Abraham. Oh msu seza Jésus muninga Walesa. Donc c'est Jésus-Christ l'ami de Walesa. Abandi sikoyo et comme un moment mon pasteur Walesa komi ko déclarer donc qui azoloba maloba moko eza puissant makasi. Il est arrivé au moment où pasteur Walesa commençait à faire de fortes déclarations avec des puissances. Donc hier sikoyo amati makasi comme il était élevé en puissance. Ngai sikoyo na koma ki na suka de na zolanda kaka ye. Là où j'étais, j'étais concentré en train de suivre. Donc il a senti puissance moi et bimé pas passer Walesa. J'ai senti une puissance sortir de chez Walesa. Puissance, la puissance est entrée en moi. Na moment la tremble vraiment zinga makasi. J'ai commencé à trembloter fortement. Na koi na se na banjo ganga. Je suis tombé en poussant des cris. Mubai na ngazala na chambre bimi ni nango ni nango. Mon mari qui était dans la chambre était sorti. Nga na lobi ti kanga puissance moi makasi bimi na TV kotingai. Je lui ai dit il y a une forte puissance qui est sortie de la télévision pour matin. Alors dit tolongola pasteur Walesa tolongola chaîne nango. Nga na lobi te. J'ai dit non laissez. Atindi mwana abenga ado. Il a envoyé notre fille ici appeler le frère Ado. Il a frappé la porte de notre frère. Ado abimi. Le frère est venu. Akutinga na zo ganga. Il m'a trouvé en train de pousser des cris. Na zo ganga na bandi ko expliquer nga obina senti puissance moi na ba déclaration pasteur Walesa na na mona te. J'ai commencé à lui expliquer que j'ai senti une puissance par les déclarations de pasteur Walesa. Ekotinga i même misu na ngai na moni mabange zali souté. La puissance est entrée à moi et je ne vois pas quelque chose qui s'est passé avant, mon œil est devenu normal. Misunange banda ko tela rouge, soki na lo bana ko tala mutu bweto lo bana o mela diamba. Mon œil était devenu rouge, on disait que j'étais ivre de chanvre. Mais nzamba pasteur Walesa biki singai. Mais le Dieu de pasteur Walesa m'a guéri. Na yeko tato la munene nzamba pasteur Walesa. Je suis venu témoigner la grandeur de pasteur Walesa. Na banda ko yo ka soni mena ko kili susute. J'avais honte mais je n'ai plus honte. Na ko kili susute pasteur Walesa za na nzambe. Je n'ai plus honte, je dis pasteur Walesa à Dieu. Na yebi ke nyonso ya ngai zala ya okanga mefungwani. Je sais que tous qui était à moi et qui était bloqué et débloqué. Mubali nanga na yebi ko zwa musala ko pambwa ma. Mon mari sera béni et aura de l'emploi. C'est que les dieux de Papa Walesa n'est pas malade. Lui ne prie pas, il voulait éteindre la télévision. Papa, pourquoi tu voulais éteindre la télévision? Amen. Amen. Bon. Il s'est passé beaucoup de jours. Madame, a épingé que lui soutient ce que les autres sont capables. T'es autocito chité ou un apôtre ou un salopé de combien de tes athées? N'habitez. Macamamisu.
Je lui avais demandé si je n'accepte pas voir la femme porter les lunettes. Toi, tu es encore une jeune fille. Je ne supporterai pas te voir avec les lunettes. Qu'on observe encore, qu'on voit comment ça va évoluer. Après, deux jours après, je suis allé à la Je lui ai dit, va voir l'œil. Je n'arrive même pas à travailler comme d'habitude avec l'œil ici. Le lundi, je crois le mardi. Je crois que c'était le mardi. Nous étions là, endormis. Elle était au salon, moi j'étais dans la chambre. Je me suis sursauté et j'ai senti qu'elle avait crié. Je l'ai trouvé au salon en train de crier. Il m'a dit, il y a une puissance, il y a quelque chose qui est sorti de la télévision. Elle est entrée chez moi, c'est comme ça que j'ai crié. Je lui ai dit, peut-être c'est le miracle qui vient de se passer, puisqu'on ne peut jamais comprendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Pourquoi tu veux Je lui ai dit alors qu'on change la chaîne, comme tu dis. Mais c'est un peu comme ça. Que s'appelle voisin une minute. Voisin, elle connaît nos arango. Bonjour Église. Bonjour. Oui, nga na pria awate. D'ailleurs, mbananga liboso na zala na centre. C'est ma première fois d'arriver ici au centre de réveil spirituel. Je ne prie pas ici. Ok. Ceux qui nazawa, ils appellent à élever comme il y a Jésus Christ pour témoigner grandeur naï. Si je suis venu ici, c'est pour élever le nom de Jésus Christ et témoigner sa grandeur. Oh, nga la moni à travers ma soeur maman la biso Ariane. Ils ont guérison miraculeuse. Ce que j'ai vu chez notre soeur ici, c'est une guérison miraculeuse. C'est vrai, elle a souffert longtemps, presque une année et demie. Elle a fait presque une année et demie avec la souffrance. Elle a rencontré des serviteurs de Dieu qui ont prié, il n'y avait pas de changement. Mais nous avons parmi témoins oculaires, Je suis parmi les témoins oculaires de ce qui lui est arrivé. C'est pourquoi je suis venu aussi témoigner. Et là, on a zoka moi. Quand on a tongo wana, tongo bande on s'est préparé à Kende, Saint-Joseph. Ce qui m'étonne que le matin là, pendant qu'elle s'apprêtait pour aller à Saint-Joseph, elle suivait les serviteurs de Dieu à la puissance télévision. Puissance est télévision et koti katinaepe à biki. La puissance est sortie de la télévision, elle est entrée chez elle et elle est guérie. Et là, ils ont les kelangezani. Ce qui me dépasse, c'est quoi? D'ailleurs, prédication à papa là, ezala qui en direct. La prédication de papa ezala qui en différé, rediffusion. Peut-être la rediffusion. Na tongo wana papa soit à la laine. Peut-être le matin papa s'endormait. Puissance c'est tiki na kati ya image ça. La puissance est restée dans l'image là. Et là que je les kelangai. C'est ça qui me dépasse. Papa a surnaturel. Ana surnaturel katinaï. Papa est surnaturel et la dimeli zambe ya papa o ale sa aza. Zambe le vrai véritable. Et j'ai cru maintenant au-dessus de papa Wale, c'est il est le frère. Est-ce que tu comprends ma boko maka? On peut acclamer très fort. Est-ce que tu comprends ta coco tele malicolo? Comment ta dinolo a cassé? Pour le Dieu de Wale. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ce qui m'étonne dans cet élément, dans ce témoignage, j'ai retenu deux grandes choses. Deux grandes choses dans ces témoignages. Premièrement, cette femme explique la souffrance qu'elle avait. Ce qu'elle a connu comme problème.
bande vous allez passer tout sous à tous mettre la bateau bako yo que l'homme mais yo mon tozo yo capable sur zone nyonga yo moko. C'est ça la difficulté qu'avait cette maman. Elle-même connaissait comment est-ce qu'elle souffrait. La souffrance ou na makasi. Elle s'est dit, je regarde la télé. Je suis la chaîne du pasteur Walesa. Deuxièmement, na yé, na mobaline, na ba voisin, ba sambe la repa pasteur Walesa te. C'est-à-dire, ba zan église, ba sambe la kamer, ba salipe confiance, ça c'est un homme de Dieu. To la na yénan. En faisant confiance seulement, le Dieu qui est dans Walesa a opéré le miracle dans la vie de cette maman. C'est-à-dire la maman a fait confiance dans la télévision. C'est que nous avons un lobby, Walesa est surnaturel. Si vous avez confiance quand nous avons dans la télévision, nous avons tout. Nous avons belle. Nous avons la confiance dans la télévision, à la télévision est sans guérison. Nous paya, nous avons un peu de spiritualité. Le voisin. Les étrangers sont des bénéficiaires. Que tant que tu vas trouver un endroit où tu as besoin, non, on ne semble pas aller, ça fait 8 ans. À bas la carte, à ça même pas si on a. Pourquoi pas? Un médecin est un pasteur. Oh, mais c'est un pasteur. Non, mais à chaque fois, on ne s'habitue pas à un pasteur. Tu as le voisin à comprendre que le pasteur est dans le surnaturel. Quand tu as besoin d'un centre de réveil, ça ne m'a pas aller ça. Dans le quartier, tu as tombé, tu as ramassé le monde, tu as besoin d'un pasteur aller ça. Mais hier, ma voisine est bonne à la vie, mais elle s'est ratée. Pourquoi pour aller à l'église, d'habitude, mais surtout à zone où il y a un pasteur. Oh, le pasteur, mais c'est un été. Tala, au moins, il ministère, madame, ma pasteur, il y a un rôle là. Mais ça, il y a un docteur. On n'est pas docteur. Au coup, il y a un spécialiste qui a coopéré dans le MIS. Il y a un pédiatre, il y a un soigneur à Bana. Ouais, c'est ceux qui pédiatre va me les comme maman a zemi. Il y a ça pédiatre. Ça va me les maman a zemi, ko tin n'est pas mon toi maman a zemi. Et c'est comme ça. Aujourd'hui nous souffrons qu'on dit mais jusqu'à grâce au Nzamba tient à kata mtunsu. Tu peux être certes aux ana pasteur moi du côté ya makasi. Mais les kabomo ko boya ça peine à monter. Aje du côté ya. Quand on parle maintenant l'option miracle. Option miracle et option moussousou. Nous avons un côté. 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 Nous avons bien ma case. Mais nous avons un côté. 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 Nous avons 14 mois. Nous avons un côté. On déclare. Nous avons un côté. Nous avons un côté. 20 minutes plus tard, à Boti. Nous avons un côté. Nous avons ouais, mouta koufi, oh koufi. Parce que la confiance, la télévision, la téléphone, Dieu opère des miracles. C'est pourquoi je m'adresse maintenant là, na Abana Walesa, centre de réveil spirituel, il y a Poto, hein, partout dans le monde, naba oh surtout bazar à Kinshasa. Bon, mais ça n'a pas sérieux. Non, n'est pas la bisozo qui est le rabot, parce que la bisozo à la bozo, mais ça n'a pas tika là. Voisin a y a comprendre quoi ça surnaturel. Voisin a y a le bio. Ma kambuto moni na télévision passe maman azalaki nango et sili maman ayé na tika pantalon ayé lo benisengu nzamba opéré miracle comme ce n'est pas bon la docteur azalaka soit qui moi sina belle atine pas docteur on soit soigné so moi na na belle atine pas docteur on soit soigné et azalaka bien té pourquoi pas bien bango ba mesani nga déjà ba mesani nangai so il na traité boye. C'est pourquoi vous voyez il y a des miracles. Talentnet c'est comme Daniela. À la télévision. À la télévision, ma parent est jusqu'au point que yo landara pasteur Walesa ko tala yesu souté. Moi na mouka la tala pasteur Walesa. Bazo tele musu. Yo rendez musu ni poatika akimana TV atika télécommande. Ya zo boya. Aboye ya vandi a lobinga ina tala pasteur Walesa. Chaque fois mec elle s'est retrouvée malade à l'hôpital. Malade ndeke, makile sili, misu zo monate. Plusieurs maladies dans un seul corps. Mais n'est-ce pas la télévision, il y a un moment où il n'y a pas de pasteur, tout à l'heure la télévision. Quand on l'a mené, Dieu a opéré un miracle. Il n'y a pas de bénéficier de ma casse, pourquoi pas, mais ça n'est pas de pasteur. Mais quand on a la télévision, je parle avec les gens de l'Europe, des États-Unis chaque jour. Il y a un témoignage, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
tout ça n'a pas ça toi n'as tout simé dans tout toi bah ça c'est normal mais ce que tu vas dire oh ton message ça me l'a pas dit Wallace mais ça n'a pas pasteur. Daniela, vie est changée. Vous avez vu récemment une famille, une maman qui a quitté l'Europe. Tout ça, c'est le colis. Il y a ma valise à l'objet. Daniela, moi, je suis un peu de condiment. Attends, la télévision. Ça, c'est la confiance dans la télévision. Moi, je suis un les lois lati, batoubaye, bamile, babilamba. Babi, moi, non, y'a épaté, biso, batouana, y'a famille, y'a été, y'a baninete, y'a billete. Mais elle n'a pas de cas que comprenez que ce papa est différent de beaucoup de gens que nous voyons. Ça fait mal. Je l'avais déjà dit, centre, cette émission, désormais, nous allons commencer à faire le tour par-ci, par-là. Dans le bac, si vous nous appelez, nous allons venir vers vous. Hein? Si vous avez besoin de nous, non, papa, j'ai des honte, ça fait très mal, on ne sait pas voir, pasteur, voilà, nous avons des problèmes. Moi, je viens vers vous. Le centre de réveil spirituel, Mikonga. J'étais surpris. N'am pas ça, waiza boli misanga. C'est la première fois que j'ai été là. Ce coin là. Papi, t'as quoi là? Pour la première fois que j'ai été là, j'ai vu le centre de réveil spirituel. La mikonga. Ben tout plein. Et pas waler ça. Il y a une chose qui s'est faite. Je dis bonsoir à Van. Van sera là le dimanche. Van ou aller ça. Van, bonsoir à toi. Bonsoir à Trésor. Moi-même, j'étais là. Bah, tu sais que bah, tout ça, la paix, musique, bon, bah, on va lobby. Mais ce moyen, toi, dans un bon marché, ça te. Bah, mon côté, pas ça, tout n'a pas kanga, mi pe li boke. Et Dieu fait des choses là. Dieu opère des grands miracles. J'avais dit désormais dans cette émission. Nous allons faire voir même Batuyaba Selil sur place, dans quelques communes, dans quelques quartiers. Cette émission va commencer à se déplacer, c'est-à-dire atmosphère, le pasteur, la pasteur, la Misohoyo, la responsable, la Selil, la pasteur, la Massina. La Massina, c'est pasteur Billy? Ok, bonsoir pasteur Billy. La pasteur, pasteur Trésor. Nambinza. Désormais, quand vous nous appelez, nous allons commencer à venir vers vous. Nous allons commencer à faire le tour désormais. Hein? Donc, Bandaroya, atmosphère. Et puis, je souligne une chose. Atmosphère, c'est une émission qui fait voir au monde ce que Dieu fait avec son serviteur. Claude Kabundualesa. Hein? C'est recadré comme ça. Ici, on vous fait voir ce que Dieu fait avec son serviteur. L'évangéliste Claude Kabundualesa. Mais l'évangéliste Claude Kabundualesa, dans son alliance à Potibal, dans son alliance, le miracle est Salimaka. Quand il y était, Bana Oyaye, lui-même le dit, même dans la sécurité, au bazar porte, sur la yéna mouta, dans la cadre grave, dans la sécurité, la tienne beaucoup mouta biki. C'est-à-dire, dans l'alliance de pasteur Walesa, le miracle est Salimaka. C'est pourquoi on a parlé autrefois. On le va consulter. Ah, génial, Léon Max, on le va consulter. Nous étions du côté Mikonga. Les dimanches, ils ont un grand programme avec Van, l'évangéliste Van Newalesa. C'est-à-dire, tu seras là. J'ai vu le maman s'apprêter. Nous avons excellent. Tu as là, tu es une forme pour répondre au Yamba. Pasteur Van, Mikonga. C'est pasteur Walesa Saninsala. C'est le nom de Dieu. Désormais, cette émission, je reviens avec le même message. Le pasteur responsable de cellule, vous nous appelez, vous entrez en contact avec notre réalisateur, ingénieur Léon Max. Vous entrez en contact avec lui, il va faire un programme et puis il va nous fixer Toroya. Donc, créer quelques minutes, juste question de faire voir le monde entier que le centre de réveil spirituel, et ça, le col là, ce sera pas plus nébélé dans nous. Ah, et ça le rôle là, maïe bozo bima. Tobano sala bongo tobano la xabino. Je l'avais déjà annoncé il y a un mois passé que désormais nous allons commencer à venir vers vous. Venir vers vous, c'est venir vers les cellules, venir vers des personnes qui ont des problèmes, venir vers Bato, Bazana Posto, Tokutana, Tomoura, Narate. On va commencer à s'organiser, Tozoya, Tozo, Van, Nepena, Batunsula, Komin, Tosololi, Toseki, Tosali. Donc
Voilà, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Ingénieur, est-ce qu'on peut suivre l'interview que ces couples pastoraux nous avaient proposé? Pendant quelques minutes, le pasteur Yasson Dravel Mikonga Lobaki, ensemble avec madame son épouse, et puis, parce que ça, les lanza, mais nous sommes là en couple. Non, papa, non, maman. Parce que ça, nous sommes là en couple. On regarde ça juste après, on se retrouve. Peli pasteur toyé na centre d'éveil spirituel ya Mikonga. Kilt munene va te belé. Impression d'abord est en ennemi. Bon, impression d'aller les amis. Que la sécurité ma casse parce que étant qu'un berger, la matinée de son pays, ma première va la perdite, va la sauver. Moana, les amis, encore, c'est mon ami. Voilà, tu as un petit programme pour nous dimanche prochain, évangéliste Van Aroya, au juste des animes, centre de réveil spirituel Mikonga. Matuyo sa barolanayo, Kintasa Mobimba, Brazzaville, Napoto barolanayo, Paye, Nine Zo Salema, avant dimanche prochain. Bon, dimanche prochain, dans la prière, donc il y a des divorces en casse. Merci de se présenter d'abord comme on a une. Vous la gnota Walesa, maman présidente, et puis moi ça l'Anzambe, le centre de réveil spirituel à Mikonga. De quel programme il y a évangéliste Van Oyo Bozo Yamba, dimanche prochain, et Rosa Lanengani. Papa Tobo Yamba, pasteur Nandai. Quel est le nom pasteur Nandai? Voilà, Malobanyo, Fadi Sekinga, et Salemi. Alobi maman, pour qu'elle ne musique. Plusieurs personnes nous appellent. Le temps nous fait défendre. Nous fait signe que minutes absolument presque en souka. Pour les amis qui nous appelaient, il y a plusieurs que j'avais déjà promis. Hey, Seigneur Jésus, j'ai au moins 79 appels manqués. J'ai au moins 79 appels manqués. Je présente mes excuses aux téléspectateurs. Je devrais prendre les appels en direct. Je pense le mercredi, nous serons là. Hein? La prochaine émission, nous allons lutter de prendre vos appels. Il y a plusieurs personnes qui nous appellent. Ça prouve que cette émission... On nous suit partout. Non, j'ai vu les mamans sortir. Mais il ne peut pas à chaque fois. Pour la première fois que j'étais là, c'était une bénédiction pour moi. Je vous aime aussi beaucoup. J'ai vu des mamans à chaque fois atmosphère. C'était une joie pour nous. Papa Gédéon, il y a eu tout la mission. Je suis très content. Je pense que nous sommes presque à la fin de cette émission. On rappelle, cette émission passe chaque lundi, mercredi et samedi sur Show Télévision. Là, on est en direct. Lundi, mercredi et samedi, c'est en direct sur Show Télévision. Mais chaque mardi, à partir de 16h, vous pouvez nous suivre sur Tokomiwapi Télévision, chez l'honorable Eliezer Tamboué. Bonsoir, honorable. Hein? Bonsoir, honorable Ndego Eliezer. C'est pas le fort ribri quoi la migolo, pèse sa voisin sourire, pèse sa mandinga sourire. Honorable, merci. Je pense aussi à mon ami Yassoumoui. Toute l'équipe de Tokomiwapi Télévision, je suis de cœur avec vous. Je n'oublie pas de penser aussi. Ceux qui m'ont dit mardi à 16h dans Tokomiwapi, vendredi à 0h, vous l'avez en rediffusion. Là, c'est le programme à Tokomiwapi. À Lubumbashi, on nous regarde chaque mercredi, à partir de 18h, sur Golgotha Télévision. Bonsoir au révérend pasteur Camille Boko, le patron de Golgotha Télévision, qui a dit nous tenir à main, faire route ensemble avec nous. Révérend pasteur Camille Boko, de Golgotha Télévision. On fait ses motets. Lubumbashi, c'est chaque mercredi à partir de 18h, et chaque samedi à partir de 18h. Moi, Yvette, bonsoir. C'est ma maman.
Elle m'a dit hier, elle m'appelle bébé Gida. Je te suis trop ces derniers temps. Je suis très content. Car Lubumbashi, notre maman, me regarde aussi. Moi, Yvette, bonsoir. À Mbujima, c'est chaque mercredi à partir de 21h. Et mesdames et messieurs, par rapport toujours, il y a qu'on faire voir ce que Dieu fait avec son serviteur. Je suis déjà oyo biso mutoza na pasteur wale ça toutefois c'est à dire hein na yibite tikele biso ni pasteur wale ça bon lui mazala na ngoi même pas voir quelqu'un autour de lui azo nyo kwa mazana passe. C'est pourquoi vous voyez chaque fois moi personnellement son nzamba pa mo biso na moi 1 dollar na biso to kanisela pe ba orphelin na ba orphelina to kenda kuna et désormais il y a aussi des personnes qui se sont joints à nous. Non, ça c'est une bonne chose. Quand l'émission Atmosphère se déplace vers les hôpitaux, vers les orphelinats, la prison, par rapport à la moyenne d'Amazon Pesabiso, Torozala, tout ça, la route ensemble. Les abattements, la porte, on va faire route ensemble. Ici sur place, il y a notre maman Véronique. Hein? Voilà ça. Maman Véro, bonsoir. Elle a été déjà en contact avec notre réalisateur. Elle a dit non, désormais. Papa Gédéon, nous allons aussi faire route ensemble quand vous faites le tour dans des orphelinats. Tout ça, bon lingo, pasteur Olé Sazalarandango, nous qui sommes avec lui, à Kabel Bissoyaou, nous avons copié de bons exemples. Avoir un pasteur, à part Karoté Yabatou, à part Karoté, nous avons utilisé le miracle, mais à Kabel Arapé Bato Azouzaza. Je regarde quelqu'un autour de lui qui manque à manger, à pessier. Et nous sommes en train de copier comme ça. Maman Véronique, merci à toi. Je pense, elle a appelé, elle a dit, je vais faire route ensemble avec vous. Ça me va droit au cœur. Maman Véronique, où allez ça? Je dis merci à l'ingénieur Papi Kelly Boaboa, qui a été au four au moulin. Hein? Lui, c'est le bras droit de cette émission. Papi Kelly Boaboa. Du côté régie, merci à Capella. La prise de vue, merci aussi à mon réalisateur. Léon Max, je suis de cœur avec vous. Je dis sincèrement merci à l'évangéliste Claude Kabouyolesa pour la confiance. Je l'ai toujours dit chaque fois. Merci Papa Walesa pour cette grande confiance que je suis bénéficiaire. Je pense aussi à Maman Gélo Walesa. Une maman bien. Ma pasteur est venu à rater le ministère pour Baba la mamie. Bali-moi si elle veut soutenir le ministère. Merci Maman Gélo Walesa. Bonsoir Maman Sophie Osebi. Et Patricia Osebi, depuis France. On a laissé, je parlais avec Patricia aujourd'hui. Bien, arc-en-ciel les Bimi. C'est maman arc-en-ciel les Bimi là-bas, plusieurs fois. Je pense aussi spécialement à maman Rick Kamouana, depuis France. Bien de bonnes choses à toi, maman. Maman Agnès Bakouma, depuis Belgique. Ah, ben, on va laisser ça partout dans le monde. Je vous aime bien. Papa Gabi. Papa Gabi Moudinga, une scène dans la Belgique. Hey, maman Anne, maman Anne Milolo, joyeux anniversaire à toi. Depuis son réveil spirituel Toronto, na Canada. Maman Anne Milolo, joyeux anniversaire. Bonsoir à maman Esther Bitota, na Toronto. Bonsoir à maman Kapiaka Yowa. Ici sur place, je pense, hein, la Cheval Blanc. Judith Lolo. Judith Lolo, Cheval Blanc. Merci de nous regarder. Elle fait signe là en train de nous suivre. Bien de bonnes choses à toi. Je pense à papa François Kabamba, directeur Orange, Mbujimaï. Mon ami Ballon d'Or, Didier Kaniki, joyeux anniversaire à toi. Je n'oublie pas de penser à l'honorable Cyril Ngoï. Hein? Il y a des bonnes choses à toi. Vous êtes très nombreux. Alors, vous avez été au Frère Moulin pour la réussite de cette émission. Je suis reconnaissant. En rediffusion, déjà, c'est à minuit. Hein? Pour ici à Kinshasa, sur Show Télévision. Déjà, la protection divine, vous pouvez nous suivre. En rediffusion sans aucun problème. Moi, c'est Gédéon du ciel. Je vous aime bien. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de la même émission.